Donc, l'IFINEO est une société française à la base qui a développé une technologie de transmission de la donnée par la lumière, par l'éclairage LED. Et ça nous permet de créer des balises où on peut transmettre de l'information. Et en parallèle de ça, quand vous êtes repéré, on est capable de déclencher du contenu. Donc, on peut déclencher n'importe quoi, des ouvertures de portes, déclencher des alarmes, envoyer de l'information sur une application, sur un téléphone cellulaire ou un iPad, etc., etc. En 2019, il y a eu le MCQ Mix des employés au MLab Créaform, où mon collègue Yannick Despins a présenté le premier prototype. Qui a super bien fonctionné et clairement, de là, le musée a voulu faire évoluer encore davantage le dispositif pour vraiment aller plus loin puis voir si ce ne serait pas possible en fait d'en faire une intégration en salle. Alors, c'est le même principe que le réseau sans fil, mais est filaire. Donc, les données sont passées par la lumière, donc avec un capteur qui permet de voir la fluctuation d'un LED et avec ça, on peut passer des données. Un des autres avantages qu'on a à utiliser le LiFi à travers les contrôleurs de l'infrastructure, on s'assure que on n'est pas obligé d'utiliser une application native sur les équipements mobiles. Donc, on n'est pas obligé de développer une application pour Android, une application pour iOS. On passe directement sur une application web qui permet de se déployer très facilement sur les appareils avec beaucoup de compatibilité. Bien, c'est sûr, dans notre approche interactive au musée, on a le souhait de rendre vraiment indépendante d'un téléphone intelligent ou d'une tablette nos expériences immersives. Donc, c'est sûr que nous, si on peut rendre interactif les choses, de détecter notre visiteur dans l'espace sans la nécessité d'un appareil mobile, ben on permet vraiment une certaine indépendance du visiteur puis une immersion beaucoup plus intéressante. Là. Donc, le LiFi nous permet vraiment de continuer dans cette approche-là. Donc, un lecteur est un identifiant unique qui est associé à une tablette. Le visiteur a les deux dans les mains et lorsqu'il arrive sous un projecteur, l'éclairage déclenche au serveur l'information qui redirige vers la tablette l'affichage du vidéo. L'utilisateur, quand arrive en salle, dans son parcours, c'est automatisé complètement. Donc, il n'y a pas l'impression de devoir faire des actions. Ça se déclenche automatiquement. Bien, en fait, il y a différents types de badges. Le premier est quand même un gros bloc. C'est un gros... la grosseur presque d'un téléphone, même plus gros, sur laquelle se trouve une cellule photosensible. Et dans les deux années, trois ans en fait, où on a fait le prototype, de plus en plus le badge s'est aminci pour passer maintenant à un badge qui est tout fin, qui fait à peine 8 mm. Et tout bientôt, on va avoir une prochaine évolution du badge, une prochaine génération qui va faire 5 mm d'épaisseur. Au tout début, c'était ce qu'on appelle un dongle en fait. C'était un petit dispositif qu'on branchait à même le téléphone qui pouvait capter. Ensuite, on a eu les versions de badges qu'on pouvait préhender, en fait, tenir dans la main. Donc, c'est sûr que dans le coup, on s'assure qu'il est toujours disposé de la façon la plus optimale pour capter la lumière et l'usager, il oublie, en fait, qu'il est dans son cou. Le musée et l'association ont essayé la technologie par beacon, qui était une position un petit peu trop large de l'usager. Avec le LiFi, la technologie est assez fine pour être capable de différencier deux personnes à un millimètre près. C'est les équipes du musée qui nous ont montré à quel point ça pouvait être précis parce que, effectivement, nous, l'IFINEO, on venait dans le processus pour amener de la précision, mais on pensait pas, puis je pense que les équipes du musée ne pensaient pas à quel point ça pouvait être précis. Donc, nous, on s'amuse à dire que c'est à un centimètre près. Mais quand on a fait des tests avec vos équipes, on était même un peu moins que 1 cm. Mais au niveau de la précision, on est quand même à la pointe de la précision avec ça.